coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Whispering Willow. Ce serait donc normalement l'épisode qui sortira le premier épisode de 2018. Voilà, nous commencerons donc 2018 avec ce petit let's play. Et c'est parti. Chargé. Qu'on devait aller faire quoi? Alors, attendez. Ah oui. Alors, comme d'habitude, what a touch. Ok. Qu'on avait récupéré le truc taché de sang. On l'avait ramené à sa fameuse, mais ça servait à rien. Attendez, je réflexionne. Oui, parce que je prépare mes épisodes, comme vous le voyez, n'est-ce pas? Le manoir était-il là? Non, pas du tout. Ah, je suis perdue. Ah, le manoir. On avait vu la fameuse dans le manoir. On avait vu qui dans le manoir? Forcément quelqu'un qui le veut, ce t-shirt. On avait été voir le mec avec la pendule dans le bidule. Et si je dis pas de conneries, il y avait quelqu'un qui nous avait parlé de tout ça. Voilà, c'est lui qui nous avait parlé de tout ça. Voilà, c'est ça. Je suis un génie. Mon t-shirt, je le portais encore depuis ce jour. Le jour du massacre. Mais qu'est-ce que tu fiches avec? T'es comme cette petite fille dans le jardin qui me rappelle mon passé. Ok, petite fille dans le jardin. Les mots ne sauraient décrire ce que je ressens. J'ai perdu tout espoir. Tout ce que j'ai appris du passé rend tout ce que j'ai appris du passé le rend d'autant plus horrible. Et c'est pourtant là où nous venons tous. Si telle est notre histoire, comment pouvons-nous espérer améliorer le cours des choses? Nous nous sommes entretués de manière égoïste pendant des générations et à présent, il semble être trop tard pour remonter la pente. Il doit y avoir quelque chose de mieux que tout cela. À n'en pas douter. Je le trouverai. Et si ça n'existe pas, je le créerai. C'est beau. Je suis un peu bête, poète, poète. Dans le jardin. C'est pas ça pour courir? Non, c'est ça. Dans le jardin. Arrière du manoir, c'est la cabane. Y a un truc qui s'appelle jardin ou pas du tout? Jardin, ok. Bah j'étais déjà là. Alors normalement il y a quelqu'un dans le jardin. C'est les catacombes. La Yawalou. Une fille? Ah bah très bien. Oh, tu as rencontré l'homme blanc? J'ai besoin de 3 fleurs supplémentaires pour terminer mon bouquet. Oh, ok. Le labyrinthe. Ok. Dans cette monotonie ambiante, j'ai fait la rencontre d'une fillette qui semble sincèrement heureuse. Elle est vraiment très charmante. Je l'apprécie beaucoup. Peut-être même que peut-être même plus que je n'apprécie déjà Flying Hack. Une chose m'attriste cependant, elle ne semble pas savoir qu'elle est morte. Elle s'appelle Skyflower et m'a raconté qu'elle ramassait des fleurs pour un homme blanc. Venir ici avec papa et maman me manque. Plus jeune, j'avais l'habitude de cueillir des fleurs tout comme Skyflower. Je devrais l'aider à ramasser quelques fleurs, peut-être que cela me réconforterait un peu. Jean-Michel dyslexie, hein, je suis désolée, mais on change pas une équipe qui gagne, visiblement. Ah, je vais me casser la gueule. Très bien. Ah, espace. Heureusement qu'ils redisent à chaque fois les touches parce que... Ah, ce serait long, moi. Hop là, parfait. Ma main tremble alors que j'essaie d'écrire. Cette journée fut la pire de ma vie. Nous avons été
rencontrer les sauvages pour savoir quelles rumeurs étaient vraies et lesquelles étaient fausses. Certaines disent qu'ils sont violents, d'autres affirment qu'ils sont pacifistes. Je ne peux confirmer aucune de ces affirmations. Nous avons patienté à l'extérieur du tipi du chaman pendant que Worsman sollicitait une entrevue avec à l'intérieur. Je le trouvais changé quand il en sortit. J'ignore ce que j'ai ressenti en lui, mais un changement s'était définitivement opéré. Il ordonna à ses hommes de tuer tout le monde. Ces derniers s'exécutèrent un rictus aux lèvres. Je ne bougeais pas. Une petite fille portait des fleurs dans ses bras et courut dans notre direction. Il m'ordonna de la tuer. Je me dis qu'elle tuerait mes enfants dans leur sommeil si je ne mettais pas fin à ces jours immédiatement, mais je ne pus me résoudre à appuyer sur la détente. Elle s'approchera trop près de moi pour que je puisse faire feu, alors que Worsman me hurlait toujours de me comporter en homme et de la tuer. Je levai alors mon fusil et je lui asséné un coup de crosse. Tandis qu'elle s'écroulait sur le sol, je sus qu'elle était morte. Alors que je rejoignais mon cheval, je fus pris de nausée. Je restai à l'écart attendant la fin du carnage. Quelle horreur. Faut arrêter de rigoler comme ça, par contre, mademoiselle, c'est extrêmement malaisant. Vraiment. Je cherche des fleurs. Voilà. L'avantage d'être mort, c'est qu'on est toujours dans un bon état d'esprit. Ok. C'est bien de voir les choses de façon positive. Ok. Et de une. Je dirais même que ce qu'il vient de dire était tordant, n'est-ce pas? Comme son cou, tordant. Un buste d'homme, plutôt drôle, je ne sais pas. On peut pas prendre la fourche, pas du tout. Ok, forcément, ça ne pouvait pas être autre chose que verrouillé. Oh la vache. On est totalement déjà passé par là ou pas? Parce que... Ah non. Oh putain. Un animal pourrait se débarrasser de ça? Vraiment? Bon là techniquement c'est la première fois de ma vie que je peux dire que je suis perdue et que c'est justifié. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans un labyrinthe. Quoi? Ah, une clé. Bonjour. Il y avait une porte, je sais plus où. Par là. Oh! Et la porte, elle était totalement pas ouverte avant. Ah non, elle est là, la porte. Nom de Dieu de bordel. Malgré tous mes soucis, j'ai réussi à trouver quelqu'un. Son nom, c'est Claire, et je pense qu'elle doit être la plus jolie des femmes de la ville. Tout comme moi, elle vient d'Irlande, et nous sommes tombés amoureux à l'instant où nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes mariés mardi dernier, et nous ne pourrions être aussi heureux qu'ensemble. Elle connaît mon passé et m'aide à affronter mes terreurs nocturnes. Elle me tient dans ses bras et me dit que tout ira mieux. Je ne sais pas ce que je ferai sans elle. Elle est mon unique raison de vivre. Des millions. On est déjà venu ici, je crois. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Ah. Non, celle-là, on l'a pas faite, par contre. Il y a deux fleurs. Non, il n'y en a qu'une. Il y a deux tiges, là, il y a deux fleurs. Ah,
oui, il faut que je les fasse redescendre parce qu'un chat ne peut pas sauter. Hop là. Ah bah non, il y en avait qu'une. Très bien. Non, pardon. C'est un misclic. Excusez-moi. Ok. On va faire celle d'à côté. Nous avons creusé de grandes fosses pour y jeter les corps des sauvages. Après tout, les peuples non civilisés ne méritent pas de pierres décentes. En revanche, j'ai réservé à ce traître de chaman une tombe spéciale. J'ai laissé son corps pourrir sous le soleil tandis que nous creusions tout notre puits. Je l'ai fait enterrer si profondément que même les vers ne l'atteindront pas. Nous n'avons perdu que 3 hommes dans l'assaut, ce que tout lieutenant de guerre considère acceptable. Le sol s'est effondré sous l'un des chevaux de trait alors qu'un lourd chargement lui était attelé. Après quelques recherches, nous avons réalisé qu'il était tombé dans une cavité menant à une série de galeries souterraines. J'ai décidé d'enterrer les hommes morts ici et d'utiliser cet endroit en tant que mausolée pour ma propriété, afin de pouvoir rendre visite à ma chère Martha quand bon me semblera. Je lui ai fait construire un grand tombeau dans l'entrée des catacombes. Les murs de ces souterrains abritent des filons de métaux possiblement précieux. Nous les utiliserons également comme point de départ pour notre activité minière. Elle se développera avec le temps. C'est le début de ma bonne fortune. J'espère qu'il lui arrive un truc de ouf, genre. Et de ouf méchant, quoi. Faut que je coupe les ronces. Oh merde! Putain, il me faut un animal et un couperonce. Oh, je ne vais jamais retrouver mon chemin! Un bandeau, je cherche de quoi couper les ronces, s'il vous plaît. Un couperon. Pourquoi je peux pas prendre ça? Ça aurait été bien. Il y avait quelqu'un tout à l'heure ici? Oui, c'est le mec de la positive attitude. Ah, pas du tout. Ouf, ouf. Bah on va le suivre. Je sais pas ce qui lui est arrivé, pauvre Clébard, il avait l'air très mignon, mais il s'est littéralement fait bouffer le cul, visiblement. Ouf, ouf! J'arrive! Ça c'est bien par contre, s'il y a un chien qui nous guide, c'est mieux. Ouf, ouf! Allez les ronces! Oh, brave bête! Merci! Merci petit chien mort. Soit j'ai un couperonce. Oh là. Je suis Martin Smith. Je vois que vous avez trouvé mon chien Bufford. C'est tout? Ok. J'ai creusé. Ah d'accord. Bah j'ai les 3 fleurs du coup. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Très bien. Maintenant faut sortir. LOL. Est-ce qu'il nous dit autre chose le chien? Genre où est-ce qu'il court vers son maître? Genre merci beaucoup. Va retrouver mon maître. Je suis heureux. Il a fait waf arf. Mais non, mais non, mais non, mais pourquoi? Pourquoi mon doigt est-il tout le temps sur cette touche? C'est insensé. Allez, maintenant il faut que je... Oh! Ok. Il est là. Je suis déjà venue ici, jamais. Le souvenir de cette petite fille continue à me hanter. Je ressens le besoin
de trouver un certain réconfort par rapport à mes actes passés. J'ai cherché des personnes qui peuplent Contaco, qui auraient pu survivre au massacre. J'en ai trouvé quelques-unes, mais Worsman n'est pas au courant. Il ne doit jamais apprendre qu'elles sont vivantes. Je ne sais pas ce qu'il ferait s'il le découvrait. Les Cantuaco ne sont qu'un groupe à part, ne sont qu'un groupe épars, mais ont bel et bien survécu. Je me suis prosternée à leurs pieds, les invitant à me punir pour mes actes, mais ils n'en firent rien. Ils m'ont au contraire permis d'en apprendre plus sur eux. La petite fille que j'ai tuée s'appelait Skyflower. Je ne sais pas pourquoi, mais pouvoir mettre un nom sur son visage m'apporte un peu de réconfort. Quand je la vois dans mes rêves, je peux désormais l'appeler par son nom. Pas par là. Mais sérieusement? Non. Vas-y, dégage. Il y a l'autre, dégage. Juste, rendriez-moi. Vous avez dit que je n'allais pas trouver la sortie. Hop là, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh! Je suis basée. Laissez-moi, rendriez-moi. Laissez-moi sortir d'ici, sortir de là. Oh oui! Oh la chance! Ouh! Ouh, ouh, ouh. Tiens tes fleurs. Nous avons fini le bouquet, apporte-le à l'homme blanc. Je sais que ça le réconfortera. Ok, il okay, faut retourner. Oh, je quitte le jardin totalement. Elle est trop mignonne en vrai, la gamine. Ah, je m'ai trompée encore. Y a des gens partout. Il y a des gens morts partout. Je vois des gens qui sont morts. Fillette, je te remercie pour le cadeau. Je peux même pas te dire à quel point je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne mérite pas ta gentillesse, ton pardon. Merci, Elena. À bientôt. Elle a rejoint le paradis? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous les avons tués, Elena. Nous les avons tous tués. J'étais le pire d'entre eux. J'ai explosé le crâne de cette petite fille avec la crosse de mon fusil. Worsman m'en a donné l'ordre, mais ça n'excuse en rien ce que j'ai fait. J'en ai assez de me battre pour lui. Mon âme est condamnée à l'enfer ardent, mais je suis en paix avec ça. Allez, Elena, va trouver ton père. Serre-le fort contre toi quand tu l'auras trouvé. Ça m'ouvre l'ascenseur ou pas du tout? Ouais, c'est ça. Ok. Au revoir, Derby. J'espère que tu trouveras ton salut. Eh ben nom de Dieu. D'abord Flying Hack, maintenant Skyflower et Monsieur Oloran. Oh, Aloran, pardon, qui s'en vont alors que je commence à les apprécier. Il s'est avéré être un homme bon et gentil malgré certaines choses qu'il a pu faire de son vivant. Je suis heureuse pour lui, tout autant que pour Skyflower. Les portes de l'outre-monde leur ont été inaccessibles pendant bien trop longtemps. Il était grand temps pour eux de s'en aller. J'ai hâte de voir ce que ça va être, chapitre 3, le dénouement un peu de l'histoire au final, parce que c'est un peu chez père quand même. Hein. Enfin, je trouve ça cool, mais perché. Je vous avoue que personnellement, je trouve le délire voilà, de pouvoir sortir de son corps, tout ça, assez stylé. Le délire avec la petite histoire, mais qui renvoie sur des faits entre guillemets réels, parce que oui, il y a eu des massacres hein, des tribus indiennes et d'autres trucs comme ça, pour quand l'homme blanc il est venu prendre les terres, toutes ces choses-là. Je trouve ça super cool. Après, je sais pas, je suis encore mitigée et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir. Worsman Willow a remporté la première élection municipale la semaine dernière. Cet endroit deviendra une véritable ville sous sa direction, paraît-il. J'ai entendu qu'il venait de la Nouvelle-Angleterre, là où le ciel est obscurci par les fumées des usines. Les gens disent qu'il sait ce qu'est une véritable ville.
Oh, je suis impatiente de voir ce qu'elle deviendra. Le futur est plein de promesses. J'ai rencontré des hommes ayant parcouru des kilomètres pour venir me voir danser. Cela me flatte au plus haut point. Mais ce n'est pas la meilleure des nouvelles. Le nouveau maire est venu me voir danser ce soir. J'ai senti son regard sur moi et mon cœur s'est emballé. Il m'a déjà envoyé des fleurs après le spectacle. Le monde est un rêve et j'espère juste qu'il ne jamais m'en réveiller. Elle est complètement amoureuse, hein, la danseuse. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter cette tourmente. Les efforts de ma Claire adorée ne suffisent pas pour apaiser mes terreurs nocturnes. Dans un état de somnambulisme semi-conscient, je semble me rendre aux mêmes endroits toutes les nuits. Je me dirige vers là où tout a commencé, à l'origine de mes tourments. Tel est mon destin. Je brûlerai dans les flammes de l'enfer. Je n'en doute pas un instant. J'ai recherché l'aide d'hommes de foi, mais même leurs bénédictions ne peuvent alléger mon fardeau. Je pense parfois qu'il serait mieux pour moi d'embraser les ténèbres éternelles. La mort me murmure à l'oreille dans mon sommeil, et j'ai envie de la suivre. Oh, le pauvre Herbie. Enfin, c'est horrible ce qu'il a fait, hein. Mais c'est chaud. J'ai un peu de peine pour lui quand même. Oh non. Oh, c'est elle! Je l'ai perdue. C'est comme s'il me manquait une partie de moi-même. S'il te plaît, jeune fille, aide-moi à la retrouver. Aide-moi à retrouver ma lettre d'amour. Les mots de Worthman ont toujours su m'apaiser. Ah. Donc c'est la fameuse. C'est la fameuse, c'est l'amoureuse. J'ai rencontré cette femme qui ne cesse de pleurer. Elle s'appelle Fleur et je pense qu'elle est française, même si je ne suis pas certaine. J'ai beaucoup de mal à comprendre à cause de son fort accent. Elle n'arrête pas de me répéter qu'elle a égaré une lettre d'amour, ce qui semble beaucoup la contrarier. Pour être honnête, je pense qu'elle en fait un peu trop, mais je compte tout de même lui venir en aide. Je comprends vraiment pas pourquoi les filles raffolent des lettres d'amour. Cela me paraît un peu absurde. On était toujours à son niveau là, non? Parce que... Oui, je veux dire, j'ai l'impression que ça clignote beaucoup, mais non, non, tout va bien. Tout va bien. Ok, on peut faire quelque chose avec ça? Je ne sais pas. Quelque chose s'est déclenché. Ah, ok. Moi, c'était le temps que ça monte au cerveau. Hop là. Le cuistot. Oula! Un jour, j'ai trouvé un couteau taché de sang. Je ne savais pas d'où il provenait. Je me suis dit qu'il devait venir de la cuisine, alors je l'ai laissé là-bas. Ok. Bah, à mon avis, depuis le temps que l'odeur est là, il y a moyen que ça ne sente plus très bon, mademoiselle. Je te l'accorde. J'ai pu déverrouiller la porte? Comment se fait-ce? Mais je suis déjà venue ici. Vous reconnaissez, c'est l'entrée du manoir. Très bien. Cette porte était totalement verrouillée. C'est un raccourci, je crois. Je fais tout pour garder ma relation avec Worsman intéressante, mais je crains que son intérêt à mon égard, ça me nuise. Je le trouve beaucoup plus froid et distant alors qu'il avait l'habitude d'être tendre et chaleureux. Et bien qu'il continue de me rendre visite presque tous les soirs, j'ai l'impression que quelque chose a changé en lui. J'ignore ce qui a pu causer un tel changement chez l'homme que j'aime tant. Je peux voir une colère intense se tapir au fond de son regard. Je ne sais pas d'où elle vient, ni comment personne ne l'a remarqué pendant si longtemps. Quand il me regarde avec ses yeux, je suis effrayée et je ne parviens plus à parler, ou même à bouger. J'ai peur de ce qu'il cache derrière ses iris. J'espère qu'il ne s'en prendra pas à moi un jour.
Écoute, je sais pas si t'es mouru de meurtre ou mouru de mourance, mais. Maman, ce serait bien plus ici. Loul. La mère est une alcoolique. Alors, donc techniquement, ouais, je sais pas où aller, ouais. Quoique, si je dirais qu'il faut peut-être redescendre du coup, parce que si ça s'est ouvert en guise de raccourci, c'est peut-être juste qu'il fallait retourner là-bas. Où est-ce qu'elle serait sa lettre d'Amur? Je sais pas pourquoi il rigole comme ça, chaque fois qu'on clique sur un truc, c'est flippant. Dans un autre endroit, où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Là, il nous reste quoi? Il nous reste. Ah oui, non, ça c'est, on l'a déjà vu, c'est exactement la même conversation qu'ils ont eu. Ah, il prend la veste. Oh, merci, vous êtes bien urbain. C'est un bien gentil fantôme. Ça, c'est le puits, on y est déjà allé. Je crois qu'il nous reste que la serre qu'on n'a pas explorée encore. Ah, ou l'observatoire. Non, on n'a pas fait l'observatoire. Je ne crois pas. Je pense réellement que nous avons trouvé un endroit adapté à notre nouvelle maison. Une clairière verdoyante entourée de rivières regorgeant de poissons et avec du gibier en abondance. Il y a cependant un problème. Cette clairière se situe sur le territoire d'une tribu de sauvages appelée les Quantaco. J'ai entendu dire qu'ils sont un peuple pacifiste, mais je suis déconcerté à l'idée que des sauvages au cerveau primitif, sans loi ni gouvernement, puissent avoir la moindre notion de civilité. Cependant, je jouerai mon rôle de membre de la race supérieure et m'en comporterai avec la bienséance que l'on m'a rigoureusement inculquée. Je me conduirai comme si j'étais à un rendez-vous commercial avec tout autre gentleman raffiné. Ah non, on n'est totalement pas venu ici, je me souviens pas de ça du tout. Ah oui, ça c'est pour descendre. Honnêtement, je dois admettre que ça me choque. Cela semble faire une éternité que j'attends mon rendez-vous avec Monsieur Willow. Cet endroit baigne dans une lumière chaleureuse. J'ai bien envie d'en profiter pour m'allonger. C'est tout? Ok. Le mec, il attend son rendez-vous. Bah écoute, si vous êtes tous dans le même état, mon gars, ça va pas venir tout de suite, je pense. Hein. Ça me paraît un peu compliqué. Voyez. Bon, du coup, bah c'est pas là. Ce n'est pas là. À l'avant du manoir. Le puits, c'est pas le puits. Là, il y a la cabane. Moi, c'est pas ça que j'aimerais chercher. C'est le truc avec les plantes, là. Est-ce que vous vous remembrez? Voilà, ça. Ah, merde. Toujours pas. Ah, c'est d'un problème, ça. L'observe. Ah, mais putain, j'étais juste à côté. Loul! Bah, ça doit rester dans le manoir alors du coup, parce que si ce n'est point ça, je vois pas où est-ce que serait sa petite lettre d'Amur. Don't know. I don't know. I don't know.
Écoutez, je vous propose qu'on se laisse là pour cet épisode, puis on ira voir ce que veut Mademoiselle Rose, enfin, on ira voir investiguer sur la position de la lettre d'amour de Mademoiselle Rose. Non, par contre, il faut arrêter de gémir comme ça, mademoiselle, c'est gênant. Merci. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour l'année 2018. Vraiment, profitez-en. Essayez de tenir vos bonnes résolutions. Je vous dis ça alors que je suis la première à dire balèque dès qu'on est arrivé au 2 janvier. Mais voilà. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est qu'est-ce qu'on dit. Et vraiment, enfin, voilà, je vous souhaite une très très bonne année. Plein de bonnes choses à vous et à vos proches. Profitez-en bien. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bisous, bisous.